Good morning, Kappa Junkies. On commence le rasso ben, dans les traditions comme d'hab. Donc d'abord, il faut bouffer et pour boire un petit café. Et alors, on va faire un tour de voiture. Donc on va voir aussi qui organise le rasso. Et donc on est au supérieur à Bernelsheim. Et c'est l'équipe de Rasbitum qui organise ça. Et donc il y a déjà pas mal de monde qui sont venus. Il est 10h30 là. On va se taper quelques crêpes là. Donc de crêperie Barbossa. Et le café est organisé par eux-mêmes. Et du coup... on va faire un petit tour avec vous, on va vous emmener, c'est pas un grand rasso, mais le spot il est super cool parce que c'est couvert comme vous pouvez voir. Donc il y a moitié couvert et moitié un peu à l'extérieur encore là, donc là-bas derrière quoi. Et donc c'est une belle petite ambiance déjà, donc il y a vraiment beaucoup de monde qu'on connaît, donc beaucoup de monde du coin. Et chacun qui fait son style, et c'est multimarque aussi, donc vous savez que je suis un grand fan de multimarque, donc ça c'est sympa aussi. Donc ça permet de s'échanger, permet de parler, discuter et tralala, il y a pas mal de trunchies aussi. Donc on pourra reparler là-dessus aussi, et du coup voilà, on va vous emmener, donc on profite du café, et puis c'est parti, allez hop. Donc c'est parti pour faire un tour, donc déjà on va une fois remercier l'équipe de Rasbitum et tout cela. Donc là ils sont occupés actuellement avec leur drift track. Les remercier eux pour l'organisation déjà du rasseux, donc c'est déjà cool d'avoir un rasseux comme ça, et on compte sur tous pour se tenir à carreau en partant pour qu'on a encore une fois cette place pour une prochaine fois et de nombreux rasseux. Donc merci à Clément et toute son équipe pour organiser un tel rasseux. Et voilà, donc on va faire un petit tour. C'est cool qu'il y a aussi toutes les marques sur place, donc pas toujours Huawei ou BM ou n'importe. Et puis voilà, donc merci à eux pour l'organisation. Profitez bien de la journée, c'est un petit mot à dire. Non, pas de petits mots. Pas de petits mots. Profitez de la journée. Profitez de la journée, respectez les lieux et admirez les voitures. C'est ça. Merci gars. Oh là, c'est parti. I said you better watch what you're doing. 'Cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. And I could go all night. I'm sick of being nothing. All right, I'm gonna be something. All fight with every breath, trust me. I'ma be the one at the top, you can't touch me. I need to find somebody like me who wants to be something. I bleed with every word coming. I would rather die than be someone who's nothing. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes. 'Cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous. 'Cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. Pour les fans d'Air 32, on va vous contenter aussi. Et c'est lui l'enfoiré là qui nique tous les tympans là. Lui, franchement, niveau son, ça déboîte, hein. Nickel. Hein. Donc chapeau à lui, franchement, ça déboîte. Hein. Top! I'ma take it now, no you're never gonna break me. I'ma stay loud in the face of the hate. See, I'ma speak out, take the muzzle off my face. Breathe out of my mouth every word that will make. Salut les pédales! Oh, arrête! Alors, bien le rasseau quoi? Ouais, tranquille! Tranquille! Il y a un peu de monde qui va venir? J'espère! Franchement, c'est cool, on est à l'abri, si jamais il pleut, si jamais il y a du soleil. Donc là, il n'y a aucun des deux, donc on est bien. Et voilà, donc il y a la merguez là derrière à Greg, donc avec des autocollants partout. Et là-bas, la bien. Là, je suis à l'écart là-bas. Donc voilà, le meilleur pour la fin. Donc la fin, c'est là derrière. Donc voilà, on va faire un tour de ça. Donc c'est la vigne, si on l'a déjà filmé. Et maintenant, bah, on va lancer la Greg. Allez hop, c'est parti. Take me. Never had a doubt of the life that I'm making. Never had a doubt of the fight I'll be facing. Never had a doubt of the nights I'll be aching. Petite note pour la caisse à Greg, ça fait quoi là? Je sais même pas comment ça fait la dernière vidéo, ça remonte. En tout cas, depuis là, il a toujours pas réussi à la nettoyer, donc passer un coup d'aspice.
Donc je vous propose dans les commentaires, on va faire une petite cagnotte. Donc je sais pas combien ça. Un Dyson, c'est peut-être trop cher, même si on en a besoin, mais peut-être un truc genre Parkside ou un truc comme ça. On peut peut-être faire une petite cagnotte pour lui offrir ça. Ça vous tente? Allez hop, je vous mets ça dans les commentaires. It's all about having you don't want to chase with me. Now I'll leave your ass in the street. Now I'll put your ass underneath ground. I'll bury you 6 feet deep now. And you better stay down. Get the hell out of my way now. It doesn't matter what you say now. I'm gonna take hold of fate now. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes. Cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous. Cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. What to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place, see, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be, I don't wanna let myself down Donc là il y avait la remise des prix, le show and shine et tralala. Donc c'était super sympa, donc merci à l'organisation. Donc malheureusement maintenant ça part nous un bordel. Donc bref voilà, on compte sur tous cette édition et j'espère pour l'édition prochaine aussi à se tenir à carreau en partant et de laisser une bonne impression de nous pour pas flinguer les prochains rassos et qu'on a encore une fois l'autorisation pour un tel rasso ici. Donc, merci encore au proprio du Super U, donc directeur au proprio, voilà. Donc pour cette autorisation et cette superbe chance d'organiser un tel rasso ici. Et bien sûr merci à toute l'équipe, merci à eux pour cette superbe organisation. Donc on voit un peu une partie de l'équipe qui a organisé tout ça. Donc on remercie aussi à ceux qui ont fait le tar flambé, à toute l'équipe de la crêpe, à ceux qui ont fait le café. Donc à toute la team Race Bitume et tous ceux-là qui ont participé à l'organisation. Donc merci à vous et franchement une belle petite organisation. Et c'est pour ceux qui ont râlé pour les 2 euros d'entrée et machin, franchement on va rester chez vous. Et puis voilà, il faut toujours un petit début, tu vois, pour permettre d'acheter un peu de matériel, que ce soit juste la machine à café ou que ce soit un peu les cafés ou que ce soit une tonnelle ou n'importe quoi. Et si tu es toujours obligé de gratter au cul aux gens pour une tonnelle ou pour machin, et alors lui il a peut-être pas le temps, et alors ben voilà. Donc au fur et à mesure, ben il faut bien acheter un peu de matériel et s'équiper un peu pour assurer un minimum de service.
Et donc les 2 euros, pour moi, vu de moi personnel, c'est volontiers. Et puis voilà, après s'ils deviennent riches, ce que je doute, ce qu'ils deviennent riches avec mes 2 euros, qu'ils deviennent riches, franchement, qu'ils deviennent riches alors. Hein. Voilà, donc pour ça, c'était la petite parenthèse pour ceux qui râlent. Donc donc merci à vous pour l'organisation et le spot il est vraiment cool avec l'abri. Donc s'il fait chaud, on est à l'abri, on est à l'ombre. S'il fait moche, on est à l'abri, on est au sec. Donc voilà, merci franchement pour ce rasso et puis on espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Race Bitume pour toute l'organisation et puis voilà. On se dit à plus pour la prochaine édition. Allez hop, bonne route à tous. Ciao Kappa Junkie.